Comment faire pour avoir une hygiène intime irréprochable? Vous savez que c'est important de se laver chaque matin. Il arrive parfois que vous soyez lavé le matin, vous sortez, vous allez peut-être en cours ou au travail. À partir d'un certain moment de la journée, vous sentez une odeur, vous ne comprenez pas. Pourtant, vous êtes lavé le matin, vous êtes même parfumé parfois. Et vous ne comprenez pas pourquoi, mais il y a une mauvaise odeur que vous réussissez à humer. Sur vous ne comprenez pas d'où elle vient. Bien sûr, elle vient de votre appareil génital, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Donc, il est très important d'y apporter des soins adéquats. Aujourd'hui, je vous partage les 5 secrets, les 5 astuces pour avoir une hygiène intime irréprochable. Même votre partenaire, quand vous allez appliquer ces conseils, va remarquer la différence. Et bien sûr, vous allez bien sûr avoir plus de retours positifs et vous-même, vous vous sentirez beaucoup mieux. La première chose à faire, donc, c'est d'abord de tailler les poils qui s'y trouvent. Après, maintenant, à votre libre habile, vous pouvez vous épiler comme ça, genre totalement, vraiment totalement. Même si vous le faites avec la cire. La cire que je vous conseillerais, homme comme femme, c'est la cire marocaine. Elle est un peu comme du sucre avec du miel. Vous mettez ça, fait un peu mal. Bon, toutes les cils de base font mal, donc elle fait un peu mal, mais ça vaut le coup si vous l'épilez totalement ou soit vous taillez. Vous savez que les poils-ci sont un peu comme un couteau à double tranchant, dans le sens où ils ont les avantages et les inconvénients. L'avantage d'avoir des poils, c'est que vous m'en faites une barrière protectrice contre les microbes, contre les bactéries qui pourraient vous causer des infections vaginales, une vaginose, des infections même anales parfois, même chez les hommes. Donc du coup, ces poils-là forment une barrière protectrice contre les microbes. D'autre part aussi, sont ces mêmes poils, si vous ne les entretenez pas, qui peuvent vous stocker les bactéries qui vont provenir de vos doigts. Les bactéries, surtout si vous allez toucher cet endroit-là avec des mains qui ne sont pas lavées, des ongles qui ne sont pas nettoyés, vous allez prendre les bactéries qui se trouvent sur vos doigts, sur vos ongles, et vous allez mettre là. Et ces poils-là vont justement stocker ces bactéries-là et ça va vous causer des problèmes par la suite. Donc, soit vous les taillez. Nous sommes en hiver, je ne vous dirai pas de vous épiler comme ça. C'est en été qu'on le fait parfois parce qu'on va à la plage et tout, mais en hiver, on ne sort pas. En hiver, on ne s'exhibe pas à poil. Donc, du coup, là, à ce niveau-là, vous pouvez juste tailler, pas enlever totalement. Donc, diminuer juste une partie. Une fois que vous avez diminué celui-là, vous appliquez un gommage. Gommage, juste bicarbonate plus citron. Il n'y a pas un meilleur gommage. Bon, on va pas vous si on vous donne les secrets ou les gommages ou les potions quoi magique, voilà, n'appliquez pas ça. Le gommage à base du bicarbonate et du citron, c'est largement suffisant pour ces endroits là chez l'homme et chez la femme. Vous faites ce mélange, vous êtes sur la douche, après vous être lavé, vous lavez d'abord bien le corps, bien sûr vous enlevez une bonne partie de la saleté avec du savon. Vous prenez maintenant votre mélange bicarbonate citron, vous mettez là et puis vous gommez. Vous nettoyez partout, vous gommez les entrejambes là, vous gommez partout derrière là, au niveau des fesses arrière là. Vous gommez avec du bicarbonate et du citron, vous gommez bien. Après, vous laissez reposer 5 minutes. Ensuite, là maintenant, vous rincez. Une fois que vous rincez, la troisième étape, c'est d'appliquer un gel intime. Un gel intime, bien sûr, contrôlez d'abord le pH. C'est très important. Je vois beaucoup de vendeuses d'hygiène intime qui naissent chaque jour le jour. Je ne vous conseille pas d'acheter ces gels intimes. Je vous conseille d'acheter les gels intimes en pharmacie ou dans les surfaces. Mais des gels intimes dont le pH varie entre 3 et 7 maximum. Pourquoi? Parce que vous appliquez les gels intimes à l'extérieur, à la partie externe des appareils génitaux. Et du coup, ce qui fait que vous devez appliquer un gel intime qui a le même pH que ces parties-là. Donc, n'allez pas acheter donc des gels intimes qui sont parfois trop acides ou trop basiques. Prenez un gel intime qui a le même pH que votre appareil génital. Le pH de l'appareil génital est très souvent compris entre 3,8 et 8 en réalité. Donc prenez un gel intime qui est entre cet intervalle là. Une fois que vous avez appliqué le gel intime, vous avez bien nettoyé les parois entre les lèvres là, vous nettoyez bien sûr, on n'en voit rien à l'intérieur, que ce soit l'intérieur du vagin ou de ce qui est à l'arrière là pour les hommes, on n'en voit rien à l'intérieur, ça se nettoie uniquement avec du gel. Vous passez là, vous frottez bien, même derrière vous frottez bien le gel intime, ça passe bien là. Une fois que c'est fait, vous allez bien sûr rincer le gel intime. Maintenant, si vous voulez, là c'est facultatif, vous faites un bain vapeur à l'aide de l'eau chaude et d'un cristal de menthe. Prenez juste un morceau de cristal parce que les cristaux de menthe en général chauffent beaucoup, donc un morceau suffit. Donc vous allez mettre dans un seau, bien sûr un seau où vous pouvez vous asseoir qui où la vapeur ne va pas pouvoir s'échapper. Vous versez, vous lancez le cristal de menthe à l'intérieur, vous remuez, puis vous asseyez dessus. Le cristal de menthe a une odeur assez fraîche, donc ça va vous donner en fait la fraîcheur sur cette partie du bas là. Pour les filles, ça va légèrement resserrer la foune. Pour les hommes, ça va vous donner un aspect de fraîcheur. Vous allez sentir vraiment de la fraîcheur. Votre odeur sera vraiment, vraiment meilleure qu'avant. Donc voilà, faites des bains vaginaux, des bains anneaux entre de temps en temps. Pas tous les jours, mais 2 à 3 fois la semaine, ce serait une bonne chose. Après avoir fait tout ça à la douche, vous avez fait les 4 premières étapes à la douche, les 4 étapes à savoir
épiler, gommer, appliquer un gel intime, faire un bain de vapeur, vous venez maintenant dans la chambre. Une fois que vous êtes dans la chambre, s'il vous plaît, portez les sous-vêtements en coton. On ne vous le dira jamais assez, mais les sous-vêtements en coton permettent justement l'équilibre du pH de cette partie-là, de cette partie du bassin. Ce sont les sous-vêtements en coton qui favorisent vraiment l'équilibre du pH là-bas, à cet endroit-là. Et maintenant, la nuit, quand vous voulez dormir, s'il vous plaît, enlevez. On ne dort pas avec les sous-vêtements. Non, non, non et non. Que ce soit en été ou que ce soit en hiver, si tu veux dormir, mets ton pyjama. Tu enlèves le sous-vêtement, tu déportes, mets ton pyjama. Et bien sûr, avant que je n'oublie, le sous-vêtement, ça se change. À chaque fois qu'on se lave, on change le sous-vêtement. Même si tu te laves 3 fois par jour, tu changes ça 3 fois par jour. Donc, à chaque fois que tu te laves, tu changes. Même si tu te laves 10 fois par jour, tu changes. Tu te laves 1 fois par jour, tu changes ton sous-vêtement. Les sous-vêtements, on ne porte pas ça 2 fois. Même si tu te laves à 10h, que tu te laves à 15h, tu sais que le temps sont seulement passés. Non, et tu veux reporter le même sous-vêtement. Erreur, ne porte jamais le même sous-vêtement 2 fois. Tu enlèves, tu jettes dans le panier à linge ou bien tu laves sur le champ. Dépend de ta routine. Et voilà, si tu appliques ces 5 étapes que je viens de te susciter, toi-même tu vas venir me dire, tu vas me donner les retours après. Allez appliquer, vous venez me donner les retours après. Je suis sûre à 100% que vous n'aurez plus jamais de mauvaises odeurs, de surprises désagréables en route. Vous allez vous sentir beaucoup mieux parce que il n'y a rien de mieux en fait que quand tu sors, tu sais que ton corps est propre. Quand je dis propre, des cheveux jusqu'à la partie du bas là. Ton vêtement de base, il est propre. Je vous ai dit d'abord qu'en 2022, on ne sort pas les vêtements sales. On ne sort plus les vêtements sales pour ceux qui le faisaient. Donc, il est important que non seulement ta propreté, c'est-à-dire ton hygiène, soit propre à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. Donc,